Nous saluons tout le monde qui rejoint nous déjà dans la zone. Non? Et c'est où là qu'on est que c'est une opportunité que vous avez tout à soi. Nous comptons pour nous rejoindre. Et nous voulons prendre le soin pour que nous, chacun là, nous avons la possibilité pour nous saluer l'autre. Nous avons ouvert un micro. Nous. D'habitude, nous invitons les clients à saluer l'autre. Ouvrez le micro nous, pour que nous saluions l'autre. Côté que nous allons passer. Quelques minutes ensemble sur un thème bien spécifique. Bonsoir, coach. Bonsoir, tout le monde. C'est un plaisir pour moi. Bonsoir, monsieur Raymond. Bonjour, tout le monde. Comment nous y est? Bonjour, tout le monde. Comment nous y est? Bonsoir. Nous allons ouvrir le micro, nous allons saluer l'autre parce que nous allons passer quelques minutes ensemble. Bonjour, bonsoir, coach. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, comment nous y est? Bonsoir, tout le monde. Non, pas c'est Espérance Dupont. Je suis content de tout le monde à soir. Bon, monsieur Dupont. Bonsoir. Je suis content de rejoindre nous à soir. Bien. Et est-ce que tout le monde a déjà passé salutation yo? Est-ce que tout le monde est OK? So, nous voulons dire que à Soya coaching nan li l'ab différent pour moun ki habitué participer dans coaching avec nous. Côté que je dis à c'est pas ou même qui pral présenter problème yo, mais je dis à c'est coach yo, on a plusieurs coach avec nous qui pral parler sur un thème bien spécifique. Et d'autant plus tôt qui pral faire des cas pratiques avec nous dans le thème. Tant nous gagnons aujourd'hui à papa, c'est pour nous faire tout ça, nous pouvons nous prévoir faire. Mais nous espérons que nous faisons l'essentiel avec vous à soi. Jusqu'à avant d'aller plus loin, je connais si notre coach qui est déjà ensemble avec moi, si coach Giro là, si coach Dieudonné là, coach Herbie, coach Universon, qui est votre coach qui est là avec moi, nous allons placer quelques mots de salutation pour nous avancer. Ok, bonsoir à tous, mon nom est Jean Dieudonné, je suis coach dans la section de Visa Academy. Moi vraiment content pour me là ensemble avec nous et m'a laissé la parole avec l'autre coach. Je m'a prêté tout. Bon bagage. Ça semble que c'est un peu de Dieu qui est ensemble qui va rejoindre nous. On va avancer parce que Léa déjà fait nos deux fois, déjà pendant 18 minutes dans l'heure et normalement tu as supposé rejoindre plus clients et tu as semblé se prendre à monter tout. Parce qu'au cours de route, il y a pour rejoindre nous. Et je dis, nous ne pouvons pas parler, nous, d'habitude, le dernier vendredi, nous avons parlé sur la question de configuration Facebook et qui j'ai pour lancer Ads. Mais je dis, nous allons parler sur un élément clé qui c'est mindset client doit gagner pour faire modèle business. Et nous-mêmes, dans la compagnie 509 Visa Académique, formule nous utiliser pour nous bailler client service. Et troisièmement, nous avons des possibilités pour nous parler et faire des cas pratiques avec vous sur ça nous et les dashboards Shopify. Là. Ça permet de comprendre le dashboard là pour nous avancer. Et il a déjà fait nos défauts. Mais qui deux bagages pour attirer la client yo, dans la question mindset là. Si on moun, esprit ou toujours ces bagages qui mal ou bien esprit ou li adapté avec confortabilité, je dis à ma honnêtement m'a dit ou modèle business ça li pas parti avec ou même tout monde dans vie a essayer chercher ou bien créer richesse pa yo yo adapté l'esprit yo avec zone de confort yo yo démarqué de lui-même. Qui donc, faut que vous sentiez pas à l'aise dans des situations, faut que vous sentiez faire face avec des problèmes pour être capable de trouver des solutions. Dans le premier cas qui est belle comme ça, l'est que vous êtes dans une situation, vous êtes dans un problème, vous êtes trébuché, et demain, si Dieu veut, c'est vous-même qui avez partagé l'expérience. Mais dans le premier cas qui est tout, l'est que vous êtes dans un problème, problème, ou quitter le gagnant, ou décourager. Et les gens qui partagent réussite, yo, pas avec problème ça, ou pas canaliste, les gens qui partagent expérience. Je voulais attirer attention sur ça. Si un monde
li entre dans modèle business ça asoya gen quatre bagay que me voulez souligner pour dans le et monsieur coach Jelone dans le est-ce que gérer accès avec client qui va entrer pour moi s'il vous plaît pour pas perdre fil idée mais bien qu'il pas un problème non est-ce que ouais on va entrer par accès pour moi dans le bam gérer dans le gérer ça. Ok. Baso ka bay waxe konya. Ok, ou ka bay waxe konya. Yes, nan va avanse pou di ke, normalman, état d'esprit client nou yo. M'a parlé de client nou, sou la, c'est parce que c'est client compagnie ya. C'est parce que ou c'est un particulier de compagnie ya. C'est parce que son membre nan compagnie ya. Et m'a tout ça honnêtement échec client nou yo c'est échec pa compagnie réussite client nou yo c'est réussite compagnie nous recommander avec tout client moi très motivé à ça pour me dire c'est parce que il y a des clients qui mal comprennent ou bien qui comprennent les que moi dit que normalement esprit ou que doit gagner il doit gagner un esprit qui positif ou doit gagner une mentalité qui consistant pour que vous soyez capable de faire un modèle business. Ça. Consistance, patience, positivité, faire ces seules armes contre en face problème. Et moi, garantis que vous avez qu'il a soya là, c'est que vous avez toujours joué. Il y a un coach dans mes yeux qui est capable de dépasser le problème. Nous sommes étonnés que vous avez des problèmes. Que nous constatons un client qui a fait face avec lui. Coach a fait face avec lui tout. C'est parce qu'il n'a pas d'expérience, non? Mais c'est parce qu'au jour le jour, le modèle business en affaire a une nouveauté là-dedans. Bon, bon, une nouvelle rapide. Actuellement, là, nous avons une grosse plateforme que la compagnie a testé pour lui introduire le client. Et bien, actuellement, la compagnie a fait face avec un gros cas légal qui est TikTok. Que nous voyons, imaginons que nous avons déjà un cours sur TikTok que nous avons invité les clients à appliquer. Cependant, que actuellement, TikTok a fait face avec des gros cas illégaux avec la loi américaine. C'était une bref parenthèse pour nous dire que il y a des problèmes nous avons rencontrés dans la vie. Coach qui doit pouvoir aider nous, même quand fait qu'on rencontre des problèmes, ça c'est pas parce que vous avez une expérience de problème, yo, mais c'est parce que modèle business de jour en jour l'a optimisé de jour en jour, l'a porté modification. Tout ça on fait c'est pour éviter mon hacker, c'est pour éviter sécurité, c'est pour by sécurité tout avec utilisateur. Vous devez faire approche ça pour que nous dit tout client, surtout client qui a fait rentrer avec nous dans modèle business ça. N'a besoin esprit consistant. Moi redis et m'a redire encore. Deux, trois premières semaines, deux, trois premiers mois où dans la compagnie, objectif ou pas, objectif pour faire vote. Par contre, si je bien sonné, si je mal sonné. Mais honnêtement, moi, je prends le courage pour me dire, pour qui ça? C'est parce que, alors, bien que je connais toute entreprise qui fait, toute entreprise qui monte, c'est pour que l'objectif fondamental de toute entreprise, c'est maximiser profit. Mais, En pile entreprise ou a fait grand profit, yo te gagne un plan d'action. Yo te gagne une étape côté que l'a lancé, yo dit OK, il a fait 1 an, 3 ans côté que il a fait lancer puis suivre évolution entreprise là. Et yo te gagne étape maturité. Et de même tout ou même qu'a fait entrer dans modèle business là, ba était toute possibilité pour comprendre logique modèle business ou avant entrer. Je dis à nous gagne client qui avec nous qui dans question marketing. Comme ça tout nous gagne client qui commence à faire bel profit avec nous. Pour ça tout nous gagne client qui fait ap rentrer. Et ben n'a pas adressé nous avec client qui fait ap fait entrer spécialement ou même qui c'est un client qui était déjà avancé mais qui pas tête toute possibilité ça pour dire OK deux trois premières semaines moi deux trois premiers mois moi c'est possibilité pour me mettre tête pour me former dans modèle business là pour me comprendre logique modèle business là. Yes, me devrais attirer attention nous sur approche ça côté que consistance nous patience nous esprit positif nous a aidé nous à seules âmes qui a aidé nous à avancer avec modèle business. C'est le premier élément que je devais souligner parler avec nous. Deuxième élément, compagnie 609 Biz Academy a fait un pile effort. Je disais qu'on va quitter là tout à l'heure. Échec client, c'est échec compagnie.
Réussite client, c'est réussite compagnie. Mais compagnie n'a pas avancé avec un client que l'esprit, c'est l'esprit négatif seulement. OK? L'esprit, c'est l'esprit négatif seulement. Côté que tout ça qui vient dans l'esprit empêche que l'y avance. Je ne vais pas dire que les clients n'ont pas obligé avancer avec ça qui veut avancer dans la logique fonctionnement modèle business. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas patients. Ça ne veut pas dire que nos clients ne payent pas pour payer un service. Nous pourrons pour nous sacrifier nous pour nous payer tout service qu'il faut. Mais il faut que les clients mettent dans l'atmosphère côté que les comprennent logique service compagnie, les comprennent logique modèle business l'aventure, les gagnent l'esprit disposé pour les avancer. Compagnie offre tout client qui est dans compagnie un package. Dans package, il y a un store. Gain coût maîtrisé e-commerce en joie. Nous gagnons coaching que nous avons clients chaque jour dans la semaine, dépendamment de horaire là. Et nous gagnons plateforme Facebook là côté que c'est plus gros moyen de communication compagnie a entre client et coach. Si vous êtes un client, ou pas dans un groupe spécifique WhatsApp, par exemple groupe 2.0 à côté qu'on a écrit soit ou jeune même mon client dans groupe 2.0 li bon expérience li edo ou bien jeune coach li edo ou pas obligé rester à écrit sur WhatsApp dans groupe côté que te vend nos services là parce que majorité moun qui te vend nos services yo spécialité yo c'est pas dans problème technique question store spécialité yo c'est communication c'est sell c'est négociation vous faites attention. Eh bien, plus gros moyen de communication, client gagne entre lui-même avec coach, c'est groupe Facebook là. Qui ne pas satisfait de service que n'a bail là, qui ne satisfait de service que n'a bail là, pas hésiter à écrire sur groupe Facebook là pour nous car au courant. Par exemple, moi-même quand j'ai plusieurs clients qui avaient écrit sur groupe WhatsApp, même j'ai pour appeler l'autre coach tout. Mais l'on avait une, on était programmé non lien Zoom déjà avec un client. Est-ce que je vais l'obliger prendre pour me quitter client ça? Ou bien l'autre client qui était déjà programmé dans le lien Zoom, est-ce que je suis obligé de prendre? Les consorts vont rester dans la file d'attente là, ou pour exprimer une satisfaction. Mais si vous faites sur Facebook là, normalement, ce n'est pas tout coach qui a programmé. Ou bien vous avez une assistance quand même, ou bien une orientation quand même, ou bien vous avez une leur cap disponible pour assister quand même. Moi, je veux attirer attention. Non? Formule ou bien logique, compagnie, c'est prends coup, garder coup. Pratiquer sous store. Dans pratiquer, vous avez un problème, vous rejoignez nous dans le coaching. Lorsque vous nous coaching, rassurez-vous que son problème vient présenter nous. Rassurez-vous que son problème vient présenter nous, mais pas venir avec problème pour mettre dans l'esprit que vous allez d'accord pour tourner avec problème. Nan. Mettez l'état d'esprit au côté que vous venez d'avoir une solution pour problème. Nan. L'autre bagaille, coaching, ça spécialement, il fait le vendredi, c'est pour les gens qui n'ont pas de possibilité. En participant dans le coaching matin, yo, et parce que, excusez-moi, ma pour moi, tout le monde, c'est pour vous qui avez la possibilité de participer dans le coaching matin, yo, et ou bien après-midi, yo, qui va la possibilité de participer dans le coaching, yo même, mais qui nous fait coaching ça spécialement, c'est pour Mounsayo, yon ka pratique que nous allons traiter. Et nous te voulons le sujet, j'aime dire la volonté de parler de ça. Logique, compagnie, c'est garder couyo. Al pratique le sous-store. Si on rencontre un problème, viens jouer nous dans le coaching yo, pour coach yo aider. Si ou gagne une urgence, toujours utiliser groupe Facebook pour communication rapide avec coach. Maintenant, logique, modèle business ça même, modèle business dropshipping. Nan. C'est vrai qu'on compagnie a offert un store, compagnie a mis des produits sous lui. Mais logique, bon, le business là, qui s'allie? C'est gagner un, deux, trois produits gagnants ou mettre sous store. N'a pas étonné. Quelqu'un qui a posé question, qui est-ce qui est un produit gagnant? C'est normal pour poser question, qui est-ce qui est un produit gagnant? Mais nous faisons le devoir, nous mettons dans le cours là pour. Et nous avons un spécial coaching, spécialement nous faisons pour ça chaque le vendredi. C'est le deuxième vendredi dans chaque mois. Pour que nous parlions de produits gagnants de côté web jeune. Qui donc, vendredi, quand vous venez, nous vous invitez, ou même qui l'a, si vous maîtrisez la question de produits gagnants, et vous êtes capable de jeune, nous vous invitez à participer avec nous. Je dis à la,
Nous ne pouvons parler ni de pose du gagnant. Nous ne pouvons parler ni question de qui je possède sur Facebook. Nous ne pouvons parler ni question de configuration Facebook ou bien lancer ads. Mais nous pouvons parler avec vous. Nous pouvons faire quelques petits aquatiques sur le dashboard Shopify là. Et pour nous avancer dans la pratique là, pour nous avancer dans la pratique là, je m'assure que tout le monde nous comprenne la logique compagnie, logique de service compagnie, et nous comprenons logique modèle business là. Logique modèle business, c'est joindre 2-3 produits gagnants ou mettre sur store ou créer une bonne page description pour lui ou configurer Facebook ou qu'on y a là ou à lancer campagne pour dire Facebook, moi paye autant comme ou ad ça pour moi ou bien ou faire publicité ça arriver, joindre audience que moi cible. Et dans quoi on a bon assistance que j'en pour faire tout ça. Yes, qu'une question pour le poser. Question que je vais poser, qui nouveau client que j'ai là qui peut encore acheter domaine? Nous voulons commencer depuis là parce que coup pratique, alors coup pratique Shopify là, si vous avez un client qui peut encore acheter domaine, nous voulons commencer depuis là avec lui. La juste partager solide ensemble avec nous, la juste partager solide avec nous pour nous faire cas pratique là. Il y a un client qui peut encore acheter domaine, s'il vous plaît. Ça semble que tout client déjà acheté domaine. Bien, bon bagaille. Si tout client déjà acheté domaine, qui ça qui yon domaine? Yon domaine, j'en ai déjà connu en pile dans le client qui l'a avec nous. Si adresse store là sur internet. Si je dis, je décide de dire, je vais le caille monsieur Adrien, ou bien madame Elta, ou bien monsieur Dupont, faut que vous ayez adresse Liban. Ou bien faut que moi je une adresse quand même pour mal la carré. Et bien de même tout. Si vous besoin yon client ou bien yon acheteur vini sous store, faut que vous une adresse sur internet la ko bali. Et adresse ça c'est lui même qui c'est domaine. Majorité domaine yo fini soit par .com, .shop, .net, .store, .etc. Mais yon nan domaine qui principal que nous souvent recommande client nou yo, c'est domaine qui finit par .com. Ça qu'arrive domaine ou pas pour .com non pas jeune ni, mais pas arrêter focus sur ça. Pas gen domaine qu'on pral utiliser qui pas permettre ou faire profit. Professionnellement parlant, yon store qui gen yon domaine qui finit par .com, bien encore mieux. Parce que com nan, il fait référence avec commercial. Ça va vle dire que si yon moun gen yon domaine qui pas .com que son problème. Retirez ça dans l'esprit nous. Même seulement vous voulez faire nous comprendre que domaine dans tout autant que l'IP coûte, il y a avec deux mots, .com ou bien trois, alors deux syllabes, .com ou bien trois syllabes, .com, il y a encore plus belle, plus facile pour client prononcer ou bien pour client utiliser pour faire achat sur store ou. Jean que j'ai déjà constaté là, il y a un élément qui est fondamental dans la question optimisation store, c'est faut client li gen yon domaine. Pas un client qui a un problème de domaine. Et tout domaine déjà acheté sous store. Maintenant, question m'a posé. Malgré tout domaine déjà acheté sous store, est-ce que email professionnel store là li déjà configuré? Yon client qui a déjà acheté domaine, mais qui peut quoi configurer email professionnel, il est capable toujours encore bonne possibilité pour nous faire pratique ça. Côté me lever même. Just parler. Oui, famille. Oui, yeah, famille email. Oui. Yes, OK. Même moi te gen email professionnel là, oui, me gen un problème avec Shopify, me problème là pour compte moi, yo te campé domaine moi, on parle en pile, yo prend pile, yo te me même réacheter encore après ça me dans mon sens moi. Et puis là naviguer sur store me vient tirer. Et me vient tirer qu'il y a besoin remettre là encore. Vous venez de tirer email professionnel là. Oui, me tirer le par accident parce que Shopify était campé domaine. OK. N'a fait l'étape par étape. Ça, nous va pas faire côté que un client a un problème, nous venons résoudre le problème. Non. N'a fait en fonction de ça que nous pouvons réaliser avec le client aujourd'hui là. Nous devons acheter le domaine, pas un client, tout domaine client a déjà acheté. Bon bagaille. Oui. Nous parlons de domaine. Maintenant, un client, si ce est disponible pour nous faire pratique ça, pour nous configurer email professionnel là pour nous. Partager ensemble avec nous écran pour nous aider à faire ça. Et même à faire ça.
My fellow, Michelle. Mon fellow, Yamba. Non, mais quoi? Pas d'autorisation, s'il vous plaît. Ok, réponds. Ok. Bon, ok. Et. Constater ce que vous n'avez pas déjà ouvert. Si nous sommes déjà ouverts? Oui. Non. OK. Bon. C'est email store là? Oui. Oui. Ah, tu arrêtes. Si la ne parle pas, moi, il fait des choses sérieuses là. OK, n'a tout pense tout ça pour nous parler de quelques éléments importants en dans dashboard Shopify là ou même qui sont nouveaux clients. OK. Attends, on va gérer question email professionnel client. Pour gérer question email professionnel client, on va aller dans domaine là, même pour jeune domaine, on clique sur paramètres. Stolia en français. On a cliqué sur domaine. Et domaine client. Alors, les votes qu'on définit en premier, c'est un premier problème. OK. Actuellement, c'est qu'on y a domaine noir. Il prend place première. Ouais, Value Store. C'est lui-même qui domaine. Value Dat Store. Oui. Et c'est là, un client a l'étape sur Internet, la Value Dat Store, la Brand Store. Donc, qui est genre pour cet top email professionnel là? Cet top email professionnel là, sur dashboard Shopify là. Pardon? Pour cet top email là, sur dashboard Shopify là. Cet top email là, sur dashboard Shopify là. Non, pour le moto qui j'ai pour cet email là sur dashboard Shopify là tout à l'heure. Oui. OK. On clique sur domaine principal là, c'est le domaine qui est en premier, domaine ou acheter, on clique sur lui. On descend côté que qui marqué ajouter une adresse mail de transfert. Normalement Shopify ben tout le monde qui achète un domaine là Kylie, yon email professionnel côté que capable cet top. Email professionnel que nous pourrons utiliser, on va utiliser support. Nous allons faire ça pour tout le monde, mais au moins nous allons suivre qui j'en nous fait le travail faire ce soir là, c'est le but qu'on fait déjà. Rassurez-vous, c'est un email professionnel. Ce sont des problèmes que les clients déjà plans ces campagnes marketing ni des fois qui qu'on a même rêvé qu'on devrait même un email professionnel qui set up ce soir. Maintenant, tapez email ou là pour moi s'il vous plaît.
Ah oui, Valérie, pour Michel. Ok, merci. Merci. Yes. Ça, c'est lui-même qui s'est email professionnel. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le copier. Retournez sur information sur la boutique. Ok, il était déjà. Non. On va changer parce que ça qui là, les différents de son gain. On va aller côté marqué. Alors, adresse email de contact là. En anglais, c'est sender email là. On va changer li, on va mettre adresse email pour là. OK? Qui c'est support.valo.store. OK? Alors, fini? On va pas enregistrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les clients contacté ou la contacter sur email support là. Les clients recevoir message, tout la recevoir message là sur email support là. Mais les ou même client a contacté ou l'a écrit ou a recevoir message là sur valerie.michel07@yahoo.com. Mm-hmm. Qui donc ça a créé confiance là avec client. Ça c'est deuxième élément que nous devons souligner. Maintenant troisième élément c'est qui Jean pour configurer moyen de paiement ou sur Store. Moyen de paiement qui s'allie. Moyen de paiement c'est dispositif qu'on prend by Store pour que les clients achètent produit dans main ou pour que capable recevoir comme là sur compte. Nous souvent recommande les clients nous pour setup avec Shopify paiement pour un débutant. Pour faire ça, comment faire ça? N'a pas utilisé Store, ça par contre c'était déjà fait. Déjà madame oui, Lila, oui, mais gardez pour elle, même Lila, me fait déjà. Ok. Bon, bagay. Est-ce que mon client qui peut faire cette offre de paiement là? Pas dans cette offre, on devrait changer pas dans Shopify de au lieu de personnel à 40 mois. L'autre c'est personnel à 40 l'homme manqué parce que même sous cette option avec Shopify vous obligez de connecter compte en banque. Yeah, but Shopify permet là d'y avoir un personne au cadre bas. Ah ok, ça c'est méthode ça pour utiliser. Oui, c'est lui me voulait utiliser moi même moi gain ça me fait avec bank account. Ok. OK, et vous voulez utiliser méthode côté que pour Shopify vous yon carte dans moi. OK, méthode ça nous recommande client nous utiliser c'est à partir que vous commencez faire sale. Vous commencez faire beaucoup quantité order. C'est une méthode qui est encore avantageux mais c'est à partir du commencement pour faire order. Alors tout un client qui nouveau nous souvent recommander que l'utiliser méthode est basique là qui se connecte Shopify paiement. OK. Yes. Ça veut dire tout qui raison fait ça? Qui ça qui gagne si aussi ou pourquoi faire celle ou faire pardon? Si pourquoi faire celle ou faire Shopify paiement là qui ça qui OK, point simple on juste son comparaison. Pour ça, il y a un client qui est nouveau, il va commencer avec un plan Shopify qui standard, qui 200 combien de dollars. Alors, c'est parce que, c'est parce que tout nouveau client, le plan basique là, adapté avec la réalité, problème que vous pouvez le confronter. Okay.
tout autant commencer gain possibilité par exemple à l'avenir on commence à faire c'est le voir que même méthode Shopify payment local ou cacher chercher autre méthode qui plus avantageux toujours. OK. Yeah. Yes, et qui pourquoi set up moyen paiement aussi pourquoi c'est comme client déjà set up moyen paiement malheureusement. Tu as besoin client pour set up moyen paiement. Pour set up moyen de paiement, on va aller dans setting. Pour appliquer sur moyen de paiement. Si le point de setup, ça allait setup déjà, on tape juste un bouton alors vert ou bien bleu là qui marque configure moyen de paiement. Tu as juste cliqué sur lui, on tape rempli forme. Et heureusement, client nous, client qui l'a soit yo setup moyen de paiement. Et basé faire ça grâce avec quoi. Et maintenant l'autre question pour nous capable avancer dans la pratique nous. Après moyen de paiement, qui client? Bon, un second, s'il vous plaît. OK, deuxième. Alors toi, on dit quatrième bail que nous voilà. C'est vos clients, pas oublier premier bail, nous c'est vos clients rassurés que il y a acheté un domaine et configurer mes professionnels, configurer moyen de paiement. Quatrième bail c'est question check out là. Check out là qui s'allie. C'est côté que les clients arrivent pour l'acheter produit, aller voir mettre information. En pile client psychologiquement parlant, les rive dans check out, il pas un bagage qui difficile. Il pas un bagage comme si qui pas grosso modo tout. Et ça fait que pour optimiser store là, question check out là, les sont éléments clés, sont éléments fondamentaux. On va connaître si client déjà synchronisé ou bien optimisé check out lui. Nous va essayer faire ça avec lui. En termes de pratique, non, beaucoup fait ça. OK, bon bagay. Il y a plusieurs photos qui passent pour aller dans le check-out là. Dans le premier côté qu'on passe pour aller dans le check-out là, on va passer dans les paramètres. Expédition livraison, moyen de paiement, page de paiement, OK? C'est le même en français. Page de paiement. Il y a deux dimensions dans page de paiement. Bon dimension, côté que vous pouvez personnaliser forme page de paiement et bon dimension, vous pouvez et paramétrer page de paiement. Nous allons d'abord commencer par paramétrer page de paiement. Pour nous paramétrer page de paiement, on a tout en bas, là, côté que il va nous possibilité d'annoncer ensemble de choix pour faire. Nous allons vérifier ce choix ça a été fait déjà. Pas oublier que pas ça sans français, il y a pas tout le monde qui parle français là. Yes. Pour ça, ça n'a pas essayé de gérer. Et OK, n'a fait monsieur de nous-mêmes pour nous gérer. Non, même pas tellement comprendre l'anglais, nous et en français ami. Donc on prend diversité qui gagne là. OK. Non store alors l'objet paramètre check et check out ou bien page de paiement. Premier élément faut
ne pas utiliser compte là au lieu de checker ça, plutôt checker ça de préférence. Facultatif. Le compte. Et deuxième non bon. Troisième non normal. Deuxième, troisième dans normal. Nom de l'entreprise n'est pas inclus. Yes. Ça normal. Mm-hmm. Ça normal, ça est facultatif. Ok, tout le monde, tout côté de facultatif, yo, c'est n'a pas un choix li optionnel. Ok, et ok, appuyez ça comme ça. Mm-hmm. Ok, ça normal. Utiliser l'adresse expédition, utiliser le saisie automatique de l'adresse. Ok, ça. C'est un premier. Ok. Yes, c'est normal. Mm-hmm. Coach, pourquoi je me fais pas ça, non? Mais si vous êtes en affaire avec vous là, oui. Ça, c'est paramétrage check out. Vous voulez ça en faire là, oui? Oui, mais l'objectif, c'est pour changer, vous le faire. Il n'est pas difficile, vous allez juste aller sur ce store là, côté dans l'air, vous allez juste faire lui, vous allez faire lui. Ok. Envoyer automatiquement un email de l'adresse. Mm-hmm. Envoyer, abandonner. Quiconque abandonne le panier d'achat, abandonne le email qui abandonne le panier. Okay. Bon, on a un club dans le coup alors. Ok, normalement, moun moun ki ouvre micro yo, n'a invité nous fermer micro pour nous seulement. Ok, yes, après ça est normal. Ça c'est parti paramétrage store là. Là nous fin fait paramétrage check out là. Là nous fin fait n'a fait enregistrer. Ça c'est pas question paramétrage. Maintenant nous voilà question form check out là. Form check out là pas oublier store là, li gon couleur, li gon logo. L'important, les clients montent sur lui, ils sentent que ça l'a fait, les propres, ou bien c'est parce qu'ils peuvent entrer information pour payer l'argent, les propres. Pour nous gérer ça, on peut aller dans personnaliser la page de paiement.
Vous devez passer dans la question customize store là tout, mais nous tout passer dans paramètres là direct avec vous. Nous t'apprenons, mais on va avancer rapide. Nous t'apprenons, mais quelque chose qui est plus pratique que nous faisons. Ça est très important. L'arrivée là, yes. Ok. On a constaté que les clients déjà, alors, store là, il était déjà un logo qui est bien positionné. OK pour nous edit li alors un client qui vérifie qui ça parle la patte là ou le logo parle la patte là check out li patte là pour nous edit li n'a pris que sous modifier les paramètres de thème on y a là on peut aller typographie cadre collection grid extra pas de carte là. OK, toute modification a besoin porter sous question store là en dedans pour que son check out là, c'est là n'a venu. Bonsoir. 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 OK pour moun ki a pour moun ki en anglais oh c'est check out en premier pour français on après c'est passage à la caisse c'est là nous va venir pour nous sélectionner logo nous hein côté qui m'a sélectionné pour nous mettre là pour faire partie en check out nous là et nous capable venir ces couleur à tout par rapport avec couleur logo nous hein que nous capable venir ces couleur à tout par rapport avec couleur logo nous hein là nous descend plus bas couleur fond blanc et couleur fond blanc là des couleurs ça pour moi ça c'est une couleur que d'utiliser oh et now celle qui était ça en blanc. Pourtant, ça a déjà bon couleur. Je vais pas vérifier. Seulement fonctionner en fonction de couleur logo. OK? So, les recommandé que vous fonctionnez en fonction de couleur store. Mais couleur store là, tout n'a pas adapté avec couleur logo. So, ma petite couleur ça comme ça, parce que je vais vérifier store là, qui couleur brun. So, c'est tout ça qu'on va le faire dans la question paramétrage là, pour tenir à ce que. Ou gen logo ki la, si gen store ki pa gen logo, asyo ko gen logo ki la. Et tout paramètre ajouté à faire l'autre boîte à l'heure là, c'est ça yo. Pour venir bon résultat ça. Là fin faire li ou faire enregistrer. C'est un problème que OK.
client ça seulement dans paramètre checkout les si gon l'autre monde à l'extérieur qui besoin acheter li pa ka acheter parce que c'est seulement pour Canada so faut que ça yo gérer. OK. OK, là vous remarquez que là nous cliquer dans non espace à vide li just encadré en bleu ou en couleur store là. Tout ça c'est feeling comme si dans question checkout là que nous devons aller vérifier. Nous voilà avancer pour nous passer dans privé côté question pour gérer pays là. N'a fermé partie question check out là. Et paramétrage là gain personnalisé. Mais ben ça va gain en une vidéo qui parle de dirigeant en fait là non. Pardon? Je ne dis pas qu'il y a aucune vidéo qui est basée sur ça à faire là. Pas une vidéo? Non. Pas une vidéo, oui. Ah, quoi? Pas une vidéo, oui. Okay. C'est une vidéo, on me fait. C'est une vidéo, on me fait. Bon, bagay, merci, monsieur Veneuve. Bon, bagay. On est à ces questions shipping, delivery, en poste ou quoi? Ils sont éléments clés et c'est là dans le tout. Ou pour le setup, si vous avez le setup, qui gens ou Alger qui sont shipping delivery store. So, encore, on va retourner dans paramètres. Alors, c'est dans paramètres majorité traitement. Tout à l'heure, vous avez géré la question paiement ou. Et actuellement, là, on pourra regarder la question expédition et livraison, qui c'est shipping and delivery. Faut que le client rassure que ça a fait dans le store. Et que suggérer. Parce que y'en a quoi? Donc, alors, selon quoi, les setups avec un seul, mais nous avons constaté que les clients ont plusieurs méthodes. Alors, question pour shipping et delivery qui setup. On a besoin pour commencer, lorsque débutant, j'en crois dire, on a besoin pour plus deux. OK? On a besoin pour plus deux. Yon c'est pour domestique, yon c'est pour respondre là. Pour domestique là. Normalement, on va passer ça. Yo. Alors, pour créer li, au lieu de m'effacer, parce que si ça là, li gagne, pour créer li, gagne deux qui fondamental. Deux qui fondamental là, c'est ça à côté que ou offre shipping nan free. Lorsque débutant, pour question shipping ou juste offre le free. Mais il y a possibilité pour personnaliser le côté que vous dites, mais à partir de combien qu'on buy shipping free, mais à partir de combien order tout, qu'on buy shipping free. Lorsque débutant, ni pour reste du monde là, reste of world là, avec un domestique là ou by possibilité avec shipping free. Pour créer li, vous cliquez sur ajouter un tarif. Pour moun ki utilize sa ki an anglè yo, m'pense que la nan espace sa kapab ekri shipping and insurance. Mais nous même pour moun ki français ou ka ekri livraison. Gratuit.
ajouter condition. On va vérifier condition. Condition au normal. Enregistrer. Excusez. Allô? 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 Oui, allô? Yes, Ndabdo, qui te lit en anglais, parce que je suis assez en anglais. Je vais mettre les livres gratuits. Je vais mettre sur toi la pique des livres gratuits. Maron, tu comprends, non? Je suis pas en anglais, non? Non, interface, je vais faire en français, mais je suis en anglais. On vérifie son type, non? Salut là et ça, oui c'est interface là pour moi mettre en français, mais c'est toi c'est en anglais me présenter le bail, m'a présenté le bail. Ok, c'est marché américain non utilisé. Oui, parce que même la partie française et anglais très demandé, mon papa j'ai présenté ce comme en français, pour présenter en anglais, mais même information pas mieux que j'ai en français. Ok, bon bagay, merci. Papa, bon mes amis, musique non. Fais mes micros pour moi, s'il vous plaît. Ah ouais, ça fait. Pour la qui est fondamental qu'on doit le gérer, c'est question marché ou que vendre pour que chaque retour pays paraît
dans checkout, c'est dans marché ou gérer ça ou activer un marché international là. On constate que là il est inactif. Appliquer sur gérer. On va activer. On y a la loi sur checkout. Okay. Alors, sous checkout, on a une possibilité pour capable vendre dans l'autre pays dans le monde là. Bien, on y a là, les nous finissons les questions checkout là et question domaine, question email professionnel. Gagner question gérer store là même. Il va faire seulement avec configuration paramétrage store là. Il est évident tout pour bonne gestion store fait, il est évident que vous installez des applications sur store. Et en pile application ça yo, yo pour aider avec un travail bien spécifique. Par exemple, gagner quelques applications que nous recommandons clients depuis la commencer, faut que assurer que yo sur store et puis yo configuré. Tant que OmniSend. Tant que AliReview. CJ Dropshipping. Deezer. Quatre applications, c'est quatre applications qui sont fondamentales que vous devez assurer que vous sous store et que vous fonctionnez normal sous store. Pour qui ça, c'est quatre applications qui sont fondamentales. Maintenant, qui va avoir une application, ça, qui va avoir un sous-store. Depuis qu'on est là, dans le paramétrage là, alors qu'il y a un monde qui va faire pour arriver là, c'est dans la page d'accueil store, ou aller dans le paramétrage là directement, paramètres, ou bien pour en anglais, ou cliquer sur application et canaux de vente. Mais toutes les applications qui sont sous-store. Non, là tu as bâti store où tu prends le soin, yo mettez application ça. Mais gen pile nan yo qui bon kon fin setup. Même si bon kon fin setup là, qui peut-être qui actif sous store mais qui mandé pour que au setup li. En pile application ça yo permet tout faire un travail bien spécifique. Tant que CJ Dropshipping. Souvent joine moun qui gen problème avec CJ Dropshipping soit pour ajouter produit sous store yo, soit pour passer order sous store yo. Et il est difficile pour nous faire pratique passer order avec vous. Je dis à, mais nous assurer que nous faisons pratique comment pour non seulement ajouter ni CJ ni Deezer sous store, mais tout pour que nous ajouter produit avec les pour sous store. Jusqu'à avant nous faire ça, gagner ça y aurait les questions qui gens pour créer. Qui gens pour créer soit une page sur store ou qui gens pour personnaliser store ou bien pour créer une collection sur store ou qui gens pour ajouter produits sur store ou même qu'a fait modèle business ça l'important basique pour maîtriser ça. OK, mais constater ça ça déjà gagné si Jenny Deezer m'a connait. Est-ce que grand monde qui déjà identifié sur store par lié pour gagner application ça ou bien gagner on n'ayo pas gagner l'autre. Parce que moi, j'ai AliReview, j'ai gagné 10 avec AliExpress. OK. Est-ce que n'a pas installé AliReview? Est-ce que quelqu'un qui pas gagné 10 ou bien qui pas gagné, qui gagne qui pas gagne l'autre? Son bail qui simplifie pour ajouter une application sur store. Pour ajouter une application sur store, avant nous faire question ajouter application sur store. Nous voulons dire à ce que, parce que l'application va ajouter sur la majorité d'application, soit pour mettre des produits, pour gérer order ou bien pour gérer commande, mais soit pour mettre des review, ou bien soit pour gérer question email. Mais pour faire ça, il faut qu'on assure tout que vous apprenez à créer soit une collection sur store, ou vous apprenez à mettre des produits dans la collection. Et c'est à partir de la collection que vous créez sur store, vous mettre des produits là-dedans. Une partie qui est fondamentale, côté que l'on a personnalisé sur dashboard store, ou capable de modifier
ou capable modifier, ou capable dire visage store. Côté que c'est là ou capable venir changer logo. C'est là ou capable dire OK, ou venir ou pas veut telle collection paraître sur store. Bien que il sur store mais il est en mode draft ou bien il pas visuel, il pas actif sur store. C'est là tout capable venir dire ou pas besoin tel type de structure sur store. Bon, on fait un exemple avec nous. Dans slide show, c'est parti ça. Ouais, moi je clique sous yeux, tu vois ça? Lorsque clique sous lui, c'est comme si c'est fermé ou fermé partie ça. Ou seulement dans slide show, il y a une seule partie qui a fonctionné. Comme ça, tout cas décidé de déplacer. Ou capable dire OK, il pas besoin là. Même le pied en bas. Ou capable dire OK, là fait ça ou juste venir là, ou point ou cliquer ou glisser ou le mettre le côté ou voulez là. Le fait que c'est lui-même qui fait beauté store là, nous pas déplacer et nous pas cliquer sur tes yeux, on a juste de cliquer. Et même j'entends par exemple Who You Are là qui présentait store là ou bien qui présentait comme tu as dit ça à propos de store là. OK, ou quand décider de dire que soit pas avec la position ça ou bien en bas. C'est de même pour qu'importe type de collection ou bien sur store. OK. Maintenant, ça m'a dit là, il y a fonction de qui type ou bien qui thème store ou bien. Tout store pas le même thème. Et ça faut après architecture tout store client ou pas même tout. Qui donc tout ça au fait c'est en fonction de architecture store là ou bien de thème store là. Gain de bagaille store permet au fait gain de bagaille même store ça li permet au faire là, yon l'autre store pas permet au faire parce que pas le même thème. Ben nous comprendre logique ça. Par exemple, on te rencontre un cas en leur en client, il a plein les autres filles mettre l'histoire à côté que il s'il pas un store parce que store là le pas belle en store l'autre client au plus belle. C'est parce que store pas fait sous même thème. Spécificité beauté a li relatif. Qui donc l'elle pas fait sous même thème ou pas les mêmes possibilités pour comme tu as dit ça, beauté store au vin même gens. OK? Ou même son café, habitué avec dashboard ça, côté que soit ou ferme tes yeux, ou ajouter yon, soit pas ajouter, ou après côté marqué pour ajouter, soit pas ajouter un blog, soit pas ajouter un slide, ou après côté marqué ajouter, après de mettre image là dans le terme de pratique comme si pour beauté store. Ou vient faire ça en dedans personnaliser store là. En plus, quand on a demandé aux gens, on a dit qu'ils ont besoin de logo sur store, et on a dit qu'ils comme si pour positionner le logo. Son barrage qui est simple, c'est là où vous venez pour gérer ça. OK? Et si on peut changer le logo, comme il va apparaître là, c'est dans l'idée. Et si on a l'idée, on va voir tout côté marqué logo. Donc, je clique sur lui, il y a une bonne possibilité pour changer le logo. Bon, je montre un barrage, je clique sur le tissu, on va voir le logo. Voilà, ou par le logo. Tu vas dans le logo sur store. Et ça ressenti en termes de pratique pour personnaliser store. Maintenant, nous allons avancer. Nous devons rassurer que ça fait. Et pour créer une collection, sur store. Alors, tout thème pas offrir possibilité à même gens, mais majorité thème ça pour venir créer une collection sur store. Ou bien pour ajouter une section sur soi, venir en dernier net, ou cliquer sur regarder, ajouter section. Lorsque cliquez sur ajouter section, on peut proposer plusieurs listes. Par exemple, ou bien forum collection, ou bien collection liste. OK? Lorsque cliquez sur forum collection, il y a une possibilité. Voilà. Pour ça, mais forum collection, mais qui j'en parle. C'est là que vous allez mettre des produits. Si tu veux mettre des produits, la tour prend non, la tour prend prix ou mettre pour lire tout. OK? Mais pour faire ça, par exemple, si tu as une collection qui est déjà créée sur store, c'est là dans le bois vini là, ou une collection en nom, par exemple, featured collection, ou changer nom ça là, et ou plein kill, elle dit ou mettre à part avoir une collection qui est créée sur store. Gagne trois collections sur ce store. Bon tourner avec nous. On va montrer nous ça. Juste quitter page là. Pour que moi crée une collection, qui bon m'aller dans produit.
Et m'a recommandé tout client pour créer une collection spécialement qui est les best-sellers. Et c'est là dans le tout qu'a identifié le produit gagnant ou par le bail Facebook pour le tester pour. Donc, cliquez sur collection. On remarque que trois collections te gagnent. Pour créer, on clique sur créer une collection. Ou bien collection en nom. J'aime dire si nous avons des collections, ça baisse le. Si vous avez une description, vous voulez faire, vous pouvez mettre là pour la collection. Et si vous voulez tout mettre en image pour la collection, par exemple, baisse le, vous pouvez juste cliquer là pour mettre en image. Mais immédiatement, quand vous faites ça, question manuel. Enregistrer. On va retourner sur pour ta personnaliser store. OK, sur boutique en ligne. Ou cliquez sur personnaliser en anglais qui se personnalise et personnal en anglais qui se customise. Yes, arrivé là. Nous allons identifier en collection nous avons ajouté. J'ai déjà ajouté une section qui c'est en collection. Okay, nous va t'enregistrer, ça fait le pas là. On va cliquer sur ajouter une section. On va décider ou ajouter qui porte ça ou qui là ou le travail. Mais nous-mêmes, nous juste faire pratique collection. Tout à l'heure, nous avons ajouté une future collection là, il y a une possibilité pour ces. Yon collection list. An nou di nan pou an collection, nan pou an feature collection de preference. Ou ka fin ajoute an collection ou deside efface le tout. OK? Soit ou ferme là dans tes yeux. Au lieu de m'effacer les livres, on crée future collection. Okay. On crée une future collection, la page comme ça, on va modifier ça pour le titre là. On va le best-seller, genre pour te bailler nous avec collection là. Après ça, on choisit qui type de collection. On choisit la collection qu'on voulait venir sur. Mais la collection best-seller là. OK? Le fait que pourquoi on a un produit, on va essayer de monter un bagage. Le fait que pourquoi on a un produit dans la collection best-seller, on va pas produire, on va monter. Mais si tu es en train de mettre un produit, là, alors le fait que on a fitness, on va produire tout monter. Mais là, comment ça va ajouter un produit? On met un produit dans le best-seller, on va joindre un produit à monter là. OK. M'a quitté ce store ça, client ça capable juste prendre. Non. Il capable collection ça pour faire pratique ajouter produit sur lui. Lorsqu'il fait le sélectionner la ressource faire enregistrer. Si vous voulez tout capable décider pour positionner best seller, on va dire OK, ou pas voulez pour collection ça en bas. OK.
Pour venir là, dans cet espace là, pour cliquer. Voilà, je vais juste monter avec lui. Je vais positionner là. Je positionner là. Quand il y a là, à vous-même, l'offre est ajoutée pour vous là-dedans, la produit apparaît là. Déjà. Parce qu'à partir de là, tout le monde a l'aise, si après on collection, si on ajoute un produit sur une collection, méthode là, c'est ça pour venir faire, pour gérer. Maintenant, nous allons ajouter une application rapide. Qui c'est aller review. Je n'ai pas dit ça. Sauter là. Pour ajouter application sur ce soir, ou sur bagaille qui est simple. Sur bagaille qui est simple. Vous cliquez dans l'espace que vous avez marqué application. Mais longtemps, il n'y a pas de compte là. C'est pas avoir avec modification Shopify by. Côté sur dashboard là, qu'il faut qu'on voit comme ça. Vous cliquez dans l'espace application. Sur dashboard. Soit là. Je présente toutes les applications qu'il a. Il y a un monde qui n'a pas aller review sur l'application, mais il y a une application qui va être une review sur store. On constate que les clients ont gagné product reviews. So, mais il a semblé que les pas gagné Omniscient là. Au lieu de rajouter application à les review, nous allons ajouter une application qui est très importante, qui c'est Omniscient. Omniscient, c'est lui-même qui permet au client de gérer email marketing. C'est une application qui est très, très importante. Les clients initient un check-out ou bien ils entrent les produits dans le cadre, ils ne pas acheter les produits, mais automatiquement, vous préparez un email pour le client recevoir pour rappeler que le mettre un produit dans le cadre, il n'y a pas acheté. Vous faites ça autant de fois vous voulez. Le client a recevoir un message ça autant de fois vous voulez. Pour faire ça sur l'application qui est Omniscient qui permet de gérer, nous pouvons le permettre d'installer et d'appeler dans la configuration quelques parties essentielles là-dedans. Dans la vidéo, nous montrons qui j'ai pour faire ça, mais nous allons faire tout ça avec. Pour ou ajouter l'application ce soir, j'aime vous aller dans l'application pour aller dans les paramètres des applications des canaux de vente. L'arrivée là, vous joignez toutes les applications. Vous cliquez sur personnaliser votre boutique. En anglais, customize your store, si je ne me trompe pas. L'arrivée là, vous pouvez regarder. Ça, c'est une liste ensemble d'applications. Par exemple, si vous avez besoin de développer une entreprise, mais quelle application vous proposez? Si vous avez besoin de mettre une entreprise dans la vedette, mais quelle application vous proposez? Application qui est plus populaire, mais tout ça, vous pouvez descendre, vous pouvez voir ensemble d'applications vous proposez et le travail que vous faites. Vous ajouter l'application ça pour vous, mais vous pouvez commander. Il y a quelques autres applications pour ajouter ton coup. Et 46 converteurs, nous-mêmes, nous avons ajouté Omniscient de la coup. Vous tapez dans la barre de recherche là, application qu'on a besoin, application qu'on connaît qui garde nos services là. Omniscient, c'est une application qui permet de gérer les questions email marketing. Ok, vous pouvez souffler la démonstration de l'application, ça qui ça le fait. Quand vous regardez cette vidéo, ça vous même l'a fait. Vous avez toujours besoin de cette vidéo, mais qui ça le fait, mais qui ça l'application a fait. Ok? Mais nous avons ajouté l'application. On a cliqué sur ajouter application. En anglais, qui c'est add app. Ok, vous cliquez sur installer l'application, qu'on y a le mandat pour créer un compte sur l'application. Rappelez comme ça pour moi, s'il vous plaît, Madame Valérie. Mets ton mot de passe.
rassure que mot de passe là les gagne un caractère spécial, c'est-à-dire un lettre majuscule ou bien un signe de croix commercial ou bien dollar ou bien numéro. Rassure que les gagne un numéro là dans tout. Ok, merci. Shopify email, c'est là où sélectionner. Nous recommandons tout, et même genre tout, là, nous allons dire encore, nous recommandons que les clients ont fait déraper, qui ont dérapé avec plan basique, là. OK? Il y a un plan qui est plan payé, mais les clients ont fait commencer, qu'ils commencent plan avec plan basique, là. Et ceci, c'est pour toutes. OK, les modèles est-ce qu'on personnel avec Brandstore là. C'est ensemble de couleurs, c'est deux couleurs ça qui constituent de Brandstore là, c'est couleurs ça. Et soit travaille plus sous Brandstore là, rassure que ou joindre code couleur ça pour tout ça on pourra faire sur store ça avec couleur ça pour utiliser. Bah c'est dans coaching cap vini, on a bien n'a partager quelques outils qui permettent d'identifier code couleur. Mais déjà là, couleur ça c'est code li ça, couleur ça c'est code li ça, couleur ça c'est code li. OK. Si vous pouvez, comme si vous travaillez pour Brandstore, pour plus devant, pour tout notre travail, pour couleur capable de match, eh bien, couleur ça, pour connaître plusieurs bleus, eh bien, vous connaissez quoi ça pour toujours utiliser pour jouer une couleur ça. OK. Yes. Yes. Là, nous gagnons automatiquement. Omniscient bar aux possibilités pour prendre un plan. Alors, le tout commence avec quoi? Avec plan gratuit. Gagner quatre éléments qui sont fondamentaux pour nous gérer. Les on commence avec plan gratuit omniscient. Le tout bon. C'est d'abord qui c'est email campagne. Forme setup. Excusez-moi, bon bagage chaque fois on va parler et puis on va te parler. Pour faire couleur ou parler m'ba fin comprendre faire couleur ou t'a dire pour couleur store oui pour couleur ou t'a dit couleur bleu ou l'autre couleur store store wa li gon couleur là dedans là oui ou ka décider qu'importe le ou décider pour quelque petite modification sur store en termes de comme si en termes de visage comme si pour faire store pour plus belle. Store là, comme si il y a un sens bon là-dedans, c'est en fonction de nos store à tout. Eh bien, couleur store, c'est lui-même qui comme si, qui y a un élément fondamental dans la question brand store là. Code couleur est très important. Si vous décidez pour une modification sur couleur store, par exemple, vous avez un customer check out là, c'est en fonction de couleur logo que vous avez fait ça. Eh bien, logo a une couleur, code logo couleur est évident pour gagner. C'est toutefois pour voir pour le travail, pour prendre devant sur brand store là. OK, mais parce que nous tout qui là, nous connaît qui ça qui ont brand. Yon brand par exemple pour Nike gon couleur qui propre, on toujours équipe autre côté, on va jouer moins deux couleurs Nike. Même genre pour Puma, même genre pour Amazon. Yon gon couleur de base, gon couleur de pour brand yo. OK, mon comprendre. Comment on va faire qu'on est code couleur pas dans moi-même. OK, non, séance coaching qui a vini. Bamzi coaching ça qui a vini, c'est coaching. Alors vendredi na bon coaching comme on va chercher produit yes na coaching comme on va chercher produit gagnant yo na partage avec nous façon ça comme on va jouer code couleur. OK, ah OK, d'accord, merci. J'aime dire nous là non question omniscient là, on pas quelque bagage, on pas quelque magique qui derrière.
paquet bagaille cap utile store là qui derrière mais n'arrivé faire yon ou bien deux ou bien trois avec aujourd'hui on va pas faire tous les quatre parce que le a avancé. Premier élément qui fondamental dans question omniscient c'est forme là qui s'allie c'est sous store là un client fait monter sous store li joine yon comme dit ça yon type yon mec qui pop sous lui. OK, yon si fenêtre qui pop sous lui, qui paraît sous lui, qui pull-up sous lui, l'elle pull-up sous lui a, li proposer le soit un 10-40, li proposer soit un free shipping, li proposer soit yon gift card, OK? En façon pour capable joindre email ou bien numéro de téléphone moun ça. Dans qu'importe là où décider font campagne par exemple pour faire des pères ou bien des produits bien spécifiques sous store qui aller avec papa, et bien ou pas font campagne pour faire des pères avec même email ça encore. Ou pour aller dans campagne là ou préparer campagne ou pour faire des pères là ou utiliser même email client et monter sous store là. Est-ce que nous comprenons ça me dit nous? C'est important pop-up. C'est important ce forme dans ça. C'est un fenêtre qui pop-up sous store. Après, en fonction du quantité de temps, pour le pop-up, là, par exemple, après 30 secondes, après 25 secondes, après 15 secondes, après 35 secondes. Mais valeur qui standard, nous recommandons les clients, nous les essayer de faire, c'est selon quoi? Faire après 30 secondes. Nous allons essayer de créer une forme. Nous allons essayer de créer une forme pour. Dans le coup, là, il y a tout le reste. Mais nous devons attirer attention. Il y a une forme, il y a une automation. Automation qui s'allie. Par exemple, il y a un client. Li fait acheter un produit sur store. Et bien, automatiquement, quand il finit acheter produit sur store, store a envoyé un message bali pour le féliciter, pour le remercier parce que il t'a acheté sur store. C'est pas ou même qu'a envoyé email là, non, ou quand t'as pas mettre le pour ça. OK, ou remercier. Et si toutefois tout ou faut finir remercier là, ou quand même tout même offrir mettre l'autre type de produit qui est disponible ou bien mettre l'autre gamme de produit qui est similaire avec produit ça qui est disponible sur store toujours. Tout ça sont des outils qui sont très importants avant de lancer question marketing nous que nous d'accord nous rassurons que nous devons gérer et les bien gérer sur store et tout ça on va le faire tout à partir de email marketing que nous te gagner on va travailler sous forme s'ouvre le qui j'en forme là fait pour capable cliquer là qui j'en l'utiliser donc on va travailler sous forme là. C'est le premier bagaille. Un set of form, yes. Ok, là, il y a ce dashboard, ça. C'est le dashboard que vous pouvez travailler pour moi. Il y a plusieurs options. Automatiquement, alors, par défaut, Omniscient tout propose ça. OK? Get 10% off your first order. Ou même, ou ka changer texte ça, ou ka changer tout ça qui là. Nous allons laisser personnaliser la forme pour vous, et après qui j'en nous fait, ou même tout, ou ka, en fonction de quantité, pourcentage, ou décider de bailler sur toi pour stimuler ou bien pour capter client, ou ka décider de changer. Premier bagage, c'est welcome discount là. Ça, c'est pour discount là. C'est lui-même. Deuxième bagage, c'est standard. Il dit type de forme ouvrée là. Par exemple, ouvrée, c'est standard 2. Mais qui j'ai standard 2 apparaît. Ouvrée, par exemple, c'est discount offert. Mais qui j'en apparaît. Au cavalier, on fait type pratique avec free shipping. Soit pas free shipping, mais qui j'en apparaît. Nous-mêmes, nous avons toujours utilisé 100 dollars. Maintenant, on peut utiliser soit avec image ou bien soit avec image. Nous souvent, par nous, il y a des gens qui font avec image, il y a des gens qui font sans image. Vous avez décidé de tout dire, image là, ce n'est pas sous le bord gauche de police, c'est sous le bord droit là. Ou bien, vous avez image là, tout c'est un background pour lier. Ça dépend de goût, ça dépend de ce que vous avez. Vous avez décidé de dire que vous choisissez comme ça. Vous choisissez comme ça. Ça, c'est ça pour pop-up sur store. OK?
Par défaut, les affaires, j'en ai pas ça avec les clients. Donc, il y a une image là, l'œuf, et nous utilisons l'image ça tout. Vous pouvez décider d'utiliser forme ouvrée, image ouvrée. Et vous pouvez mettre vos propres images pour tout le setup. OK. Nous disons OK, c'est avec forme ça qu'on s'en va aller. Donc, il y a sur Edit Content. Maintenant, pour Edit Content, non? Ça est parti contenu. Hein? Là, c'est question partie design. Là. C'est pas customize le thème là pour position en tout cas pour customize. On va aller dans le contenu. Hein? Pour contenu, hein? Vous pouvez décider tout, dire OK, là, on va mettre ça, on mettre image logo ou bien ou bon produit gagnant qui va faire promotion pour lui, ou juste mettre image produit gagnant ça là tout. OK? Pour faire ça, vous cliquez sur Edit ou bien Replace, c'est on a yo. Alors, non, Edit là, la balle bon, comme si pour customize, soit pour diminuer la size et image là, mais c'est Replace. Replace là, il va le faire directement sur ordinateur pour le point image. Mon image quelque côté gain mais quand le monde qui a dit OK on va gagner logo store côté capable jeune logo store rapidement nous allons monter côté capable prendre logo store qui j'en vous capable faire mais qui j'en pour faire ça pour prendre logo store ou on clique sur paramètres on va retourner sur dashboard store directement on clique sur paramètres on descend. On va cliquer sur fichier, en anglais, on va marquer false. On va voir tout fichier qui upload sur store. OK? On va utiliser l'image ça, on va voir l'image ça. Tout fichier qui upload en termes d'image, GIF, PNG, vidéo, ce qui est sur store. So, pour télécharger l'image, on va juste cliquer sur l'image ouvrée. Hein? OK, dans ce bouton ça là, dans ce bouton ça là, on clique là. Image à télécharger. OK. On va retourner sur OmniSend nous encore. C'est image nous dit n'a mettre image logo nous là de préférence. On clique sur replace. Madame Valou, vous permettez-moi d'utiliser espace download ordinateur pour me capter image là s'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup. Vous cliquez sur téléchargement, en anglais download. Assurément, c'est image ça là, c'est lui-même. Écrit wa. OK. Vous cliquez sur ouvrir. OK. On constate que logo a un petit Jean Gonneg. Quand on clique sur Edit, on a la bonne possibilité de m'éditer là directement. Size. Thank you.
I'm just supposed to send it first before you upload it. Okay, nous pas arriver gérer là. Et toi, nous allons essayer de gérer là encore la paix. Alors, sans qu'à faire, bon, faire, bon, essayer de faire là. Ça, c'est une baguette dans la tête, moi. Et c'est format logo. On va aller taper format logo. Transforma logo ao catapé size. Ok, 250 par 100. Yeah. Le problème, c'est que c'est parce que c'est en image PNG liée. C'est ça qui fait le rave, les paroles d'hier. Yeah. L'autre méthode pour gérer les, et que ça va avoir non plus de temps, c'est une table c'est éviter. Nous recommandons les clients nous utiliser la plateforme SATO. Allez, sur Canva, juste pour Canva, en image de 250%. OK? Yeah. Ou bien faire une image 600 par. Par 250 et puis tu mets tes logos et puis tu fais en format JPEG et that's it. Yeah, aussi ça est très important. Si tu nous vas utiliser le pilier devant tout, c'est Canva et conversion. Alors, les applications, les versions web là. Donc, on commence à faire recherche sur les tours pour nous utiliser. Ok. Qui est-ce que ça peut utiliser? Alors, quand tu poses là, est-ce que coach Chakari va dimension et image encore, s'il vous plaît? Va noter de l'autre côté là. Pour le logo? Oui. Sous Canva, on va 250%.
donc le sous canva la tout bon la tout là on va mettre le côté pour personnaliser pour le bois la tout prend l'automatique pour la tout bon size là quand et là deux emails ou t'es mieux une pas pour moi. Oh ok. Entrez email là là. Entrez email pour là là. Oui. Mais là, pas deuxième dans ça. Regardez l'email là encore là pour moi. Non, c'est pas Lisa. C'est pas bon mail là. Bon, mais pas celle. What thanks? Ton mot de passe. Ton mot de passe, ok.
Ok. Votre passe à marquer au bus, là, c'est comme mettons un caractère spécial là-dedans, mettons un numéro là-dedans. Ah, oui, ça. Okay. Pas ça, on va pas le faire. Vivi là. Ajoutez deux chiffres d'elle. Deux chiffres qu'on va maîtriser ou à bravo. Deux chiffres. OK. Mettez-le. OK. Est-ce que email ça est sur son téléphone? Vérifiez s'il sur son téléphone, il y a un code de confirmation. Ah, mais email là, vous souhaitez quand on va pouvoir le voir. OK. Dans votre déception. Vous remontez? Votre déception. Je vais aller trouver là. Amen. C'est 72-917. C'est 67, oui, moi. Par contre, si on met mal, ouais, 6-72-9-17. Ah, OK. Sous plateforme ça, là-dedans, tout nous capable apprendre créer créatif. Soit pour nous run ads ou bien soit pour page description produit. Donc, très prochainement, là nous revenons côté que nous allons monter client, faire page description produit. C'est une plateforme que nous avons utilisé tout pour nous créer créatif. Dans le cours, là, les parler de qui j'ai pour nous créer créatif. So this question has been recorded. Oui. OK, normalement pour faire pour nous gérer avec son logo rapide, cliquez sur créer, create, choisir logo, là tout propose directement comme automatique logo. Là, bien porter logo noir sur Canva pour nous gérer size.
et que sont changés. Après, ça n'applique que sur télécharger. Ça, vous pouvez télécharger le bois pour nous. Nous pouvons réajouter dans Omnisend là. Bah c'est sans titre là. Ah, OK. Ça et ça fait deux fois toujours normalement ça ici. Ok. Ok, le bon normal. Texte là, on va changer texte là. On vérifie, on va gagner avant. So, coach, can you use Canva to create a logo, or you just can edit a logo from it? Canva c'est une application qui a possibilité pour faire design, qui est sous format PNG, JPEG, GIF, vidéo. Alors pour créer, c'est une application qui va être faire créatif. Faut qu'à faire logo sous lui. Et yo, son outil qui très utilisé, qui très demandé tout parce que yo a un ensemble de propositions autour photo. Ok. Et mon côté besoin directement changer ça terme industrie et site. OK. Que ça là. On va modifier texte là, sign up, on va juste sign up là. Texte à l'écouant qui se get 10%
for the first order. OK. On va partir ça. Puis devant l'histoire a commencé pour profil, vous avez besoin de numéro de téléphone et tout. Vous juste recommander pour bien un bon numéro de téléphone et tout. La forme là, en termes de données. Après ça. OK, on a parti subscribe bouton. Hein. Psychologiquement, vous avez toujours quitté subscribe là. Mais puisque puisque vous avez besoin de faire un effet psychologique sur le client, comme je sais que get the code. Si le besoin code là, get the code. Et c'est juste ce qui est là pour venir. Maintenant, ça qui est fondamental, on finit gérer ça comme ça. Et faut qu'on prépare non seulement coupon, hein, que c'est 10%, mais tout faut qu'on prépare message succès à côté de tout by code là là-dedans. Exemple, les gens ont fini notre information, message succès là pour se voir. C'est ça, thank you for subscribing. OK, mes messages là. OK. Moi, question. Oui, oui. Application ça, les générer code là, automatiquement, on peut se obliger de créer un code là. C'est pour créer, on a créé tout pour nous finir. So thank you for subscribing. Here is the code. On a créé code là. On a créé code là. C'est sous store pour aller directement. Pour venir mettre code là, là les clients venir. On ferme pas ça. Pour créer code là, c'est sous page d'accueil là. Sur la page d'accueil là, on va côté marquer réduction pour en anglais, on va marquer discount. Créer réduction. Montant de la réduction sur le produit et montant de la réduction sur la commande. Là. Comment ça s'appelle? Valou. V-A-L-O-U. Soit au cas mettre qu'un pote, c'est au cas générer code là, au cas mettre qu'un pote code. Mais d'habitude, nous mettons dans store avec un titre devant ou bien un nombre, un chiffre. Et 509. 509 Valou. Non, 58, il y a 9 là bas. Section de valeur, montant pourcentage, on va l'avancer, c'est 10%. Condition d'achat minimum. Ou pas baler sous condition d'achat de minimum, c'est question. Quantité admissible pour tous les clients. Nombre maximum d'utilisation de la réduction, limiter le nombre total d'utilisation de cette réduction. OK. Limité à une utilisation par client. Et ça, on va enregistrer. Que l'on fait enregistrer, le software copier code ça, c'est le même qui c'est code là. Vous retournez sur OmniSend là encore. Côté là, on mettait CTRL V.
Ça, c'est message succès à les clients finir rentrer, finir en plus forme. Non. Les clients finir en plus forme, ça, la jeune message succès, ça, côté qu'elle tout bas le code là. Les cliquer sur quel est le code là. Is the code 600. Moi, il y a une question. Et ça, c'est pour leur fait à lancer store pour capable tirer mon en termes de marketing ou bien réduction ça. Et réduction ça, son réduction stratégique pour faire pour capable jouer une donnée. Par exemple, les gens fait monter sur store, les trouvent intéressés soit les jeunes en discount ou bien en free shipping ou bien les jeunes comme tu as dit ça, en promotion sur un achat. Et bien, pour capable jouer une donnée, mon nom, par exemple, email li, ou bien numéro téléphonique, parce que c'est même avec email, ça pourrait être pour le café campagne. OK? Ah, OK. Parce que moi-même, besoin. C'est comme si l'on allait là en pharmacie, en market, il y a une sorte de carte membre pour chaque l'on allait, ou utiliser carte ça, ou utiliser un discount pour. C'est juste pour capable gagner une base de données client. Oui, exact. OK. Pour une carte en base de données, je comprends. Non, ça vient aux petits gens différents. Les Wallons Store, ils ont une carte pour acheter. Par exemple, ou font carte membre Shop Rai. Si vous achetez un gain spécial, non, bagaille, c'est que membre yo bay discount là, yo bay ou jeune discount là. Vous mettez bien acheter 300 fois pendant la journée, ou jeune discount là 300 fois. Ou ka fèl tout. Par rapport à ce que tu as déjà acheté sur store. Ou bien, tout le monde qui a déjà acheté pour plus que 50 dollars sur store, mon spécial 25%. Comprends. C'est stratégie marketing, c'est ça qui fait partie ça les très important qui sont email marketing. Je comprends. Bon, suggestion. Oui, oui. Et en fait, c'est pas ici, mais c'est qu'on te dit, sur ce truc-là, non? Mais de mon, et par expérience, j'ai toujours remarqué que l'homme était en numéro de téléphone, là, on a toujours eu du mal pour lui accepter mettre numéro de téléphone. Il est plus facile de mettre email lui au lieu de mettre numéro de téléphone. Donc, l'homme, moi, tu mettais forme, non, moi, mettre numéro de téléphone, là, ça a toujours fait mon affaire, tirer tes sens dans inscrit pour accepter le code-là. Psychologiquement, ça, c'est très intéressant. Ça, c'est par rapport au comportement client. Et il y en a, par exemple, un meeting avant le ça. Il y en a effet qui était bonne possibilité pour meeting de réussir, c'est effet SMS. En plus, fois, il y a un SMS qu'on utilise pour passer un email. Pour qui ça? Parce que le SMS a monté, il est plus facile pour client Lille. OK? Okay. Et puis, c'est pour client Lille. Si client arrive sur store, sur so l'igne volonté pour l'acheter, il a besoin de discount code la vraie, et numéro 1, numéro téléphone, c'est vrai, il y a un client qui a arrêté ça pour le numéro téléphone, mais numéro téléphone, c'est le discount la vraie, la just ok, il est livré le numéro téléphone pour le bénéficier de lui-même. Parce que nous-mêmes, quand on utilise la question campagne email marketing, SMS là très puissant. Yeah, moi connais vraiment. C'est ça très puissant, ça fait que nous activer numéro de téléphone là. Mais si vous voulez tout cas déjà activer, dépendamment de vous même pour tout par exemple, j'ai la pas expérience de bon ça moi et j'ai dit là me comprendre ça, psychologiquement client qui a réticent pour le numéro, mais nous même nous pas mettre tête nous en mode client, nous connaît que client qui a réticent, mais SMS là très utile tout les nous avons possibilité pour nous jeune ça fait nous activer numéro. OK, d'accord. OK. Il y a son suggestion qui est très positif et nous apprécier le tout. D'accord, merci. Bon bagaille. Et si client veut tout, alors pas client, c'est ou même comme si cap consommer, ou cas juste pas la possibilité pour mettre numéro, parce que si c'est seulement email là. Mais puis devant, bon menti, gende sel ou besoin faire rapide, ou bien gende campagne ou besoin lancer rapide, non seulement, ça faut après, dans plan ça, gende plan, omniscient dit pas bon accès pour vous SMS by client, dans plan basical, pas bon accès, c'est parce que le compte puissance SMS là. Okay. En fait, moi-même, utilisé en façon pour me capter email, lui-même pas utilisé Omnisend, mais plus utilisé Tidio pour que ça, parce que les tout bon accès pour me chat à mon nom. Donc, une fois que mon nom monte sur ce store-là,
nous tout valons petit pop-up mais qui pas paraît sur qui paraît en bas écran qui nous dit hey ma bot 10% 10% rabais parce qu'on vient sur store là donc comme welcome on prend une fois que li clique sur livrement et puis tout me dit moi disponible sur vos capables avec moi chat live donc on comprend c'est quoi ça me toujours en capter email la plus rapide en parce que le ça me tout chat live avec moi dans l'aile monter sur store là. Yeah, bien dit Tidjo, avec Omniscience c'est deux applications comme tu as dit ça applications produits et supplémentaires produits complémentaires deux applications capable l'état ça c'est complémentaire parce que supplémentaire oui parce que chaque il y a une tâche bien spécifique que lui c'est vrai Tidjo bon possibilité pour collecter données. Mais question email marketing ou pas gérer alors tout gagne dans base de données Omniscient dans les bonnes possibilités pour faire l'automatique. OK. Yeah. Ou ka me passer sur store madame Valois tout les gain studio mais c'est certainement pour un pop-up salutation. Ou ka saluer faire sentir que soit les gain monde qui là. Ou bien bon présence qui là. That's it. OK, merci. Et j'en ai apporté ça au très positif parce que nous apprendre là dans le tout. Et OK. Yes, nous assurons que code là normal, ça normal. Dire le studio, Didio. Tidio. On passe majorité sur tout gain configuré sur lui. OK. Save and process, on y a les tes questions de temps. Timing là, on change le timing là. Loading page show after user spent. Yes, scrolling down. Save. Okay. Targeting us all visitor. Okay, save and process. Save, enable. Okay, ça c'est form là qui fait. Maintenant, gagner ça qui est les campagnes là, gagner ça qui est les automation. L'automation a gagné deux qui fondamental. C'est abandonner quatre là avec et les mon fait order. OK, set up welcome flow. Je n'en forme là. Les mon by email li. So les joindre message ça automatiquement. Set up welcome flow. So normalement avantage qui une application ça tout propose et tout propose quelques textes. Ou bien tu proposes une forme qui est complète. So, ou même ou quand juste décidé de changer les disposants de la professeure, tout ce qui est de yes. OK. Ça dit normal. Waiting. Après une minute, on a fini by. Send un email. Send un email là. De vérifier. Support value. OK. Is it content? C'est ça, c'est très important pour éditer contenu, hein? Positionner le logo au centre. Texte là. Centre texte là. Travail logo en petit bosseur. Ça n'a recommandé pour nous faire, c'est compte Instagram, compte Twitter. Compte TikTok,
page Facebook là, nous mettre quitter lui pour nous créer l'under business manager. Mais la seule que nous fait compte Instagram là, compte Twitter, ni TikTok là tout pour poster. OK? Et là dans lui, nous fin faire lui pour nous capable venir mettre lien yo. Facebook, Instagram. OK, color tout ça normal. Mais autre. Pour alors client te parler de code couleur, mais code couleur pour noir, ce qui est application qui te propose code couleur. Social background image. C'est là où vous mettez lien page Facebook ou ni lien tout pour Instagram ou ni lien tout pour Twitter là ni lien pour TikTok ou après ça chaque ça vous fait upload. OK. Pour forme là, quand quitter forme là comme ça, mais on va porter plus design toujours couleur en fonction de brand nous. Start flow. Pour appeler qu'on va au start là pour pas quitter en mode draft. So, nous allons faire deux pour nous. Pour nous, nous avons tout l'autre job pour setup. L'autre a déjà fait nos défauts. Nous avons mis un terme en termes de pratique aujourd'hui sur Shopify. Nous essayons de faire l'essentiel. Et malheureusement, nous avons une possibilité pour nous ajouter des produits soit avec Deezers ou bien avec CJ. Nous avons peut-être une possibilité dans le coaching. Nous avons coaching nous gagner avec clients dans l'OEA. Pour nous faire genre de pratique ça avec vous. Mm-hmm. Remercier vous même qui était ensemble avec nous, qui était payé alors qui était sacrifié temps ça pour nous être capable de joindre nous pour nous faire séance de pratique ça ensemble avec vous. Nous record vidéo là. N'a pas loin qui mesure que n'a pas toujours mettre vidéo ça disponible si vous faut dans mais regarder. Merci avec tout tout qui était là ensemble avec nous. Ça met un terme. OK, merci en pile. Merci. Une bonne question. Hein? Oui. Si que Shopify, ce n'est pas moi pour payer. Mm-hmm. Si que vous ne payez pas Shopify, est-ce que pendant que vous ne payez pas, par exemple, que vous avez payé Shopify le 5, vous ne payez pas le 5 là, qu'on y a le 5 à minuit, une coupe, qu'on y a le 6, dans 1h du matin, il y a un monde dans l'autre pays à fond achat sous store. Est-ce que Shopify a quitté une vente ça a fait? Les gens qui quitté votre fête. Comment? Les gens qui ont quitté votre fête. Faut mettre depuis que vous n'avez pas payé, même côté à le couper là, qui veut dire n'importe qui besoin de monter sous store, pour qu'à monter? Non. Faut mettre l'automatique sous carton. Alors intelligemment, parce que le fait que vous présentez car elle dit ou des possibilités pour anticiper car elle est automatique tout Shopify lui-même lui tout point c'est ça qu'a fait lui partout point c'est comme si elle va gagner les moyens de paiement ou bien moyens pour Shopify et tarifier là lui partout moyen sous lui. OK, qui différent tout de Facebook lui-même l'on connaît témoin de paiement avec lui. C'est pas même le wap on ad, c'est pas non même le sa tout la bilou. Puis quand vous voyez 2-3 jours, même avant le voyer facture pour vous, par rapport avec ad wap on ça. OK. Yeah. Moi-même, j'ai un problème ça là. Alors, dat pour m'te payer, m'pas payer parce que m'te gon problème sous toi. M'pas payer, mais koun ya mouen vin payer. Mais on dit que et set up maintenant pour paraître automatique pour tout prendre pour pas bloquer maintenant. Il gèle pas co-configurer. Participer avec nous dans coaching et lundi. C'est problème ça que j'ai, m'pas capable. Je le dis,
c'est 10 heures pour midi et puis 5 heures pour 7 heures, laissez on dans la rue. Sinon, 7 heures avant de et sinon, 9 heures, 9 heures, 10 heures pour la quitte. Ok, mais ça, ma pensée au fait. Et puis, sur votre Facebook, là, vous présentez problème, non? Ou avez-vous un coach qui a voué un lien qui a adapté avec un lien qui a bon pour protéger le problème, ça rapide? Oui, bien, ok. Ok? Merci. Yeah. Bon, nous arrivons à nous mettre un terme avec séance pratique, ça, qui est bien malheureux. Nous pas fin arriver faire tout ça que nous devons pouvoir faire, par exemple, ajouter notre application, surtout ajouter produit, faire sourcing avec produit, soit société, et tant d'autres choses. Parce que dans la question coaching, le lundi ou le mardi, on a des possibilités pour nous cerner les paramètres ça. Nous devons faire coaching ça pour nous aider les clients. Nous avons une idée. D'abord, il faut que vous setup Shopify. À partir de setup Shopify, vous pouvez travailler sur la question produit gagnant. Et là, vous faites travailler sur la question produit gagnant pour travailler sur la page description produit gagnant. Ça. Vous faites travailler sur la page description produit gagnant. Ça. À partir de là, pour vous gérer la question paramétrage Facebook. Yo. Et là, on finit gérer question paramétrage, on configure Facebook, on connecte store là avec Facebook pour qu'on y a dit au prêt pour y aller faire publicité sur Facebook. Dans pile monde qui par même suivre étape ça ou le processus ça depuis on fait rentrer c'est déjà c'est ouais à faire comme là même avant au paramétrer Facebook yo. C'est ouais il a fait ads même avant yo gérer question Shopify yo bien produit gagnant. Dans pile monde qui va même gagner ou bien deux trois produits gagnants qui ont identifié qui besoin avancer. S'il vous plaît, prends un petit temps. Quand c'est pauvre qui dit plutôt miser dans votre pour bon commission. Prends un temps pour prendre formation, pour prendre expérience, pour suivre le processus là pour nous avancer. Nous sommes contents avec nous. Si vous avez fait une campagne avant ou gagner un produit gagnant, so, ou gagner un produit gagnant après ça, so, est-ce que ça son problème ni? Son problème grave, le pourquoi son problème grave. Comment on va le faire, dire, on va le faire campagne sans qu'on puisse identifier le produit gagnant. Et pour le faire campagne, il y a tout un tas de choses. Il faut qu'on ait un nouvel avatar client. Il faut qu'on ait qui groupe âge qui cap consommer, qui t'a pris un produit là, dans qui pays produit ça vend plus. Ok? Qui type de, est-ce que c'est fille ou bien garçon qui consomme produit ça? Produit gagnant, c'est toute caractéristique ça. Est-ce que produit gagnant, tout, les dans le moment là, les saturé ou bien la fait la vente? Ou va pas le faire campagne. Les consa, c'est comme ou va le faire Facebook manger. Campagne engagement, les fait dans trois ou bien deux minimum objectifs. C'est pour ou capable créer confiance, là on monte sur page ou pour web page ça par une page qui nouveau, ben son page qui déjà gagne plusieurs likes, qui déjà gagne plusieurs engagements. Les créons si confiance, les gens n'ont pas pensé que le son pas chez pas même 2-3 likes, même pour l'acheter sous lui ou bien pour la passer sous lui pour l'acheter. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, tout l'offre en campagne d'engagement, c'est pour capable chauffer Pixel ou chauffer à la 40 ou okay, pour faire Facebook sentir que on a un travail qui a fait sous Pixel là ou bien sous à la 40. OK? Qui différent de campagne conversion? Campagne de conversion, c'est travail de base. Ça, email marketing côté déjà setup, email professionnel côté déjà setup. Check out que déjà set up. Produit gagnant, on côté déjà set up. OK? Page site sur produit gagnant, on côté déjà set up. Connexion store avec Facebook, côté déjà set up. On y a dit OK, moi prêt pour mal lancer une campagne conversion. Côté que ou pour aller ouais, tester un produit pour capable joindre achat, ça nous le purchase sous dire. OK. Merci avec tout le monde, nous te content ensemble avec nous. Hello, coach. Merci coach. Allô? Oui, allô? Madame Michel? Yes. Uh-huh. Oh, ok, bon voir ça. Yeah, est-ce que n'a publié sur YouTube? Et n'a publié sur Facebook là. Oh, mais sur YouTube, nous pas publié parce que le sur YouTube là, c'est plus facile pour moi quand je viens. Moi, je viens sur YouTube tout. Depuis sur page Facebook là, link là qu'à vous sur page Facebook, sur page YouTube là tout. Okay, merci beaucoup. Merci. Restez consistant, restez pertinent, restez motivé, restez stratégique tout dans le modèle business. Nous sommes contents ensemble avec vous. Passez bonne nuit. D'accord.
Bonne nuit. Merci, là-bas. Merci, coach. Bye-bye.